Nous avons fait un très gros effort pour que le département, la grande maison des solidarités qu'est le département, puisse disposer de fondations budgétaires solides. Et en ce sens, aujourd'hui, le budget de la collectivité, qui représente 1,4 milliard d'euros, eh bien, présente justement une certaine solidité. Mais je dis toujours qu'il faut être vigilant, il faut être prudent, parce que nous avons en perspective des dépenses qui augmentent, notamment des dépenses en lien avec l'APA pour les personnes âgées, des dépenses aussi de prise en charge de la vulnérabilité des personnes porteuses de handicap. Tout cela fait que, en perspective, nous avons des postes de dépenses de fonctionnement qui augmentent et qui nous demandent de la vigilance. Mais pour ce qui est du budget de la collectivité, heureusement que nous avons un budget solide qui nous permet de nous projeter sur notre plan de mandature.